Je serai peut-être invisible, mais en tout cas, donc je suis chargé d'animer l'atelier sur les circuits courts et les achats groupés. Et donc la question, c'est en quoi les circuits courts et les achats groupés constituent-ils une réponse pour un accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité? Voilà. Alors bien sûr, on parlera des circuits courts, des achats groupés de proximité, solidaire et respectueux de l'environnement. Et pour introduire l'atelier, je voudrais simplement revenir sur la définition des circuits courts qui avait été réalisée en 2009 par le ministère de l'Agriculture, qui définissait le circuit court comme un mode de distribution s'exerçant par la vente directe du producteur au consommateur ou la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un intermédiaire. Et bon, faisant partie du labo de l'ESS, je propose une nouvelle définition pour cet atelier. Je pense qu'il est plus adapté. C'est une relation transparente entre plusieurs acteurs de l'économie obéissant à quatre critères incontournables: la création de liens sociaux et de coopération, l'équité dans les échanges financiers, une approche participative et une logique pédagogique. Quant aux achats groupés de proximité, il s'agit de groupements de personnes habitant sur un même territoire et mutualisant l'achat de produits sains et locaux. Alors, nous verrons que ces systèmes ne sont pas uniquement des modalités d'achat, qu'ils proposent souvent des activités complémentaires et diversifiées, comme on a pu le voir dans les ateliers précédents, des ateliers cuisine, des actions de sensibilisation, des fêtes, des repas collectifs. Et ils se constituent autour de lieux physiques, favorisant la rencontre, le lien social. Ce sont également des espaces de sensibilisation, de façon plus globale, d'éducation populaire. Alors, pour en parler, nous avons trois structures qui proposent des modèles très innovants. Le réseau Cocagne, qui fédère les jardins de Cocagne. Je rappelle que le premier a été créé il y a près de 30 ans. Le réseau des AMAP en Île-de-France, qui regroupe plus de 300 AMAP en Île-de-France. Je rappelle également que la première AMAP a été créée il y a près de 20 ans. Et enfin, l'association VRAC Paris, un achat groupé solidaire qui possède déjà six groupes dans la ville de Paris. Voilà. Alors, on va procéder un petit peu différemment. Je vais d'abord proposer à ces trois structures de se présenter rapidement. Je ne sais pas si, mais vraiment en 2 petites minutes. Puis après, on parlera effectivement de la situation de la crise sanitaire sur les circuits courts, etc. Bon, on verra un petit peu après. Manon, est-ce que tu es là pour présenter les jardins de Cocagne? Oui, bonjour. Voilà. Alors donc, tu prends certainement 2, 3 minutes pour présenter les jardins avant qu'on présente les dispositifs. OK. Alors, le réseau Cocagne donc, regroupe une centaine de structures qui sont des jardins d'insertion, donc structures d'insertion par l'agriculture, par l'activité économique. Et le support de l'activité principale, en l'occurrence, c'est le maraîchage biologique. Donc, c'est des salariés qui ont des contrats de 6 mois minimum et qui vont être accompagnés et travailler en même temps sur un jardin. La production donc, de légumes est ensuite vendue sous forme de panier hebdomadaire. Donc, comme tu le disais, Marc, les premiers initiateurs de paniers hebdomadaires distribués en vente directe. Voilà, et après, je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails sur les différents dispositifs qui se sont développés depuis, dont les paniers solidaires qui existent depuis 10 ans et qui sont des paniers cofinancés pour des personnes en situation de précarité. Le programme prévoit qu'en parallèle de ces paniers à moindre coût, les jardins organisent ou co-organisent en lien avec différents partenaires des ateliers d'accompagnement alimentaire qui peuvent être généralement des ateliers cuisine, par exemple. Voilà, je Merci. peux le faire rapide. Merci Manon. Donc, on reviendra. Donc, Noémie Pennec est animatrice du réseau des AMAP en IDF. Noémie, tu es là? Oui, bonjour. Allez, tu présentes rapidement le réseau des AMAP. Eh bien oui, alors du coup, donc moi je m'appelle Nomi Pennec, je suis chargée de mission mobilisation citoyenne et accessibilité à l'alimentation au réseau des AMAP, qui est un réseau qui a été créé en 2004. Donc comme Marc le disait, la première AMAP va fermer, va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et le réseau en Île-de-France, il a été créé donc quelques années après. Et à l'heure actuelle, c'est un réseau qui rassemble 350 AMAP. Plus ou moins, hein. Le chiffre n'est pas extrêmement précis, et à peu près 200 paysans et paysannes qui les approvisionnent. Et donc, nous, on a un conseil d'administration qui est composé à la fois de paysans et paysannes et d'AMAPiens et AMAPiennes, ce qui est un peu notre spécificité.
et on aide à la création d'AMAP. On accompagne les AMAP existantes. On promeut aussi le développement de l'agriculture paysanne en accompagnant des porteuses et des porteurs de projets qui veulent s'installer en Île-de-France. On met en lien des AMAP avec des paysans paysannes pour leur approvisionnement. Et puis, on a aussi des activités autour de la mobilisation citoyenne, du plaidoyer sur les questions agricoles et alimentaires. Et puis là, depuis assez peu de temps, depuis quelques mois, on travaille aussi sur les questions d'accessibilité à une alimentation durable pour toutes et tous, et puis sur les questions d'éducation à l'alimentation. Merci Noémie. Alors, Aline Di Carlo est coordinatrice de VRAC Paris. Aline, tu es là? Oui, vous m'entendez? À toi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comme le disait Marc, je représente VRAC Paris. VRAC est l'acronyme de Vers un réseau d'achat en commun. C'est un projet qui est né dans l'agglomération lyonnaise il y a bientôt 7 ans maintenant et qui a pour objet de lutter contre les inégalités d'accès à la consommation de qualité dans les quartiers populaires des agglomérations dans lesquelles VRAC intervient, et aussi de développer la coopération et le mieux vivre et les échanges de savoirs et de pratiques dans les quartiers populaires. Donc le projet avait déjà essaimé dans les villes de Strasbourg et de Bordeaux. Le VRAC Paris est relativement récente puisque nous avons vu le jour en 2019 avec l'objectif de créer 6 groupements d'achat populaire et solidaire dans les quartiers de Paris. Donc nous sommes implantés dans 6 quartiers populaires, dont 5 en politique de la ville. Et je l'expliquerai un petit peu tout à l'heure. Nous avons été doublement impactés par la crise du Covid. D'une part parce que nous étions en projet naissant et d'autre part puisque en tant qu'acteur atypique de l'alimentation durable, nous avons dû reconsidérer un petit peu notre mode d'agir pour pouvoir rebondir et toucher le public le plus fragilisé. Voilà, je dirais Très on est bien. soutenus, tous les VRAC sont soutenus par différents acteurs économiques. Nous, à Paris, on a la chance d'être soutenus par la ville et par Paris Habitat et on a un tropisme important envers les locataires du parc social. Merci Aline. Donc là, je demanderai à chacune d'entre vous, d'une part, quelles ont été les répercussions de la crise du Covid-19 sur l'activité de vos structures respectives. En particulier, quel impact ça a pu avoir aussi sur votre activité classique? Comment ça a pu modifier vos activités? Est-ce que cela a accru la demande? Et enfin, est-ce que cela a favorisé également la coopération avec d'autres structures? Voilà. Donc, je redonne la parole à Manon Jacquard. Manon? Oui, merci. Oui, c'est bon? Vous m'entendez? Voilà. C'est à toi. En 10 petites minutes, parce qu'il y a un petit peu un décalage horaire, et pour essayer de rattraper le retard. Alors oui, surtout que c'est relativement disparate comme enfin voilà la situation des jardins est nécessairement lié aussi au contexte territorial et il y a donc de multiples situations qui ne vont pas forcément être faciles de résumer. Mais globalement, donc la modification la phase de confinement, en l'occurrence, et de la crise sanitaire sur l'activité des jardins, ça a pu être alors déjà au niveau du travail lui-même. Donc une protection aussi des salariés qui peuvent être en situation de fragilité, donc avec voilà, du chômage partiel qui a pu se mettre en place à certains moments. Sur la production, et enfin voilà, il y avait quand même une nécessité de continuer l'activité de production et de distribution des légumes. No notamment sur le confinement du mois de mars, on était vraiment sur un changement de saison et une nécessité pour les jardins de continuer leur activité sur les exploitations au risque sinon de rater toute la saison d'été, ce qui n'était pas du tout, ce qui n'est pas envisageable dans l'équilibre aussi économique de chaque structure. Au niveau des distributions, il y a eu une demande très forte globalement
Les jardins ont beaucoup fait remonter cette demande croissante de production, enfin voilà, dirigée sur de la production locale, et donc un nombre d'adhérents qui supplémentaires qui sont venus se tourner vers les jardins. Au niveau de ce qui est vraiment plus à précarité alimentaire, donc sur les personnes et tout le travail qui peut être fait autour par exemple, des paniers solidaires et de l'accessibilité alimentaire globalement, a été mis en place un dispositif d'urgence de livraison à domicile des paniers solidaires, donc pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, soit parce que c'est des personnes fragiles, soit aussi pour des questions, des difficultés de mobilité. Les jardins étant souvent situés à l'extérieur enfin, des villes ou en périphérie, et pas toujours accessibles facilement en transport en commun. Les points de dépôt, qui eux sont généralement en ville, ayant dû pour la plupart fermer. La plupart des distributions ont été rapatriées sur les jardins. Et donc voilà, un système de livraison à domicile a été mis en place pour approvisionner également des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et d'autres modalités qui ont été développées, c'est du vrac solidaire. Donc, soit sous forme de panier, et là on travaille avec des CCAS par exemple, soit sous forme de vrac avec des structures de l'aide alimentaire. Donc les jardins ont donné une partie de leur production qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Enfin, voilà, par exemple, il y a eu de la surproduction avec la fermeture des marchés de plein vent. Voilà. Donc ce que ça a permis, évidemment, c'est la création de partenariats différents avec ces structures de l'aide alimentaire ou des CCAS. Et ce qui est ressorti très fortement, c'est l'attrait pour des produits de qualité et des personnes qui n'y avaient pas forcément accès dans une aide alimentaire actuellement, donc des produits frais et locaux de qualité. Enfin, voilà. Donc ça a aussi impacté une envie de prolonger ce type de relation pour la suite. Donc sur la première phase, on a été financé par la Fondation de France, la Fondation Carasso, et ensuite une partie aussi par l'État qui nous soutient déjà sur les paniers solidaires. Et on a pu avoir un prolongement de cette aide, continuer cette phase de vrac solidaire sur la période septembre-décembre. Et ce qui et on sent bien que ça répond évidemment à un besoin et une envie de prolonger davantage ce type de relation. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est une certaine mobilisation derrière des habitants et des personnes qui ont eu accès à ces légumes-là, de voir comment construire et aller plus loin sur des dispositifs de ce type. Voilà. Est-ce que je suis. Et après, voilà, je pourrais m'étendre aussi sur toute la partie lien avec d'autres producteurs et un côté plus filière. Je suis pas sûre que j'ai encore le temps de m'étendre. On verra plus sur les histoires de partenariat et de public dans la discussion. Donc, Noémie Pennec, est-ce que tu peux prendre la suite sur justement en reprenant la question, c'est en quoi ça a modifié votre activité, l'activité du réseau des AMAP sur l'Île-de-France? Alors oui, rapidement, je vais juste rappeler ce que sont les AMAP et ensuite je répondrai aux questions. Donc les AMAP, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne et du coup, c'est des partenariats entre un groupe de citoyens qu'on appelle groupe en AMAP et une ferme paysanne avec un engagement réciproque, avec d'un côté un préfinancement de production et de l'autre, donc du côté des paysans, l'engagement à assurer la dite production.
Et donc, on a en Île-de-France tout un tas de productions qui sont concernées. C'est majoritairement, et c'est le plus connu, la production maraîchère, donc en légumes, mais on a aussi une production en arboriculture. On a des œufs, des produits laitiers, de la volaille, du pain, des plantes aromatiques, etc. Parmi les valeurs importantes et des AMAP, et qui sont dans la charte d'ailleurs, c'est la question de la solidarité des AMAPiens auprès d'une ferme, et puis l'implication aussi dans la vie du groupe, mais aussi l'implication sur la ferme. Donc au moment de la crise du Covid et à l'annonce du confinement, très rapidement, pour les AMAP, la question a plutôt été comment continuer nos distributions plutôt que de peut-on les continuer? Clairement, les AMAP se sont assez peu posé la question d'arrêter leur distribution, notamment parce que, à la fois, les paysans ont continué et allaient continuer à produire, mais aussi que eux allaient continuer à avoir des besoins alimentaires. Donc, nous, au niveau du réseau, on a très vite mis en place une cellule de crise, notamment afin de permettre aux AMAP de maintenir leur distribution en respectant les gestes barrières et en obtenant surtout des autorisations préfectorales. Puis des autorisations des mairies pour pouvoir être présents sur l'espace public pour assurer ces distributions. On a eu quelques problèmes concernant des lieux de distribution, parce qu'il y a quand même beaucoup d'AMAP qui distribuent en intérieur, notamment dans des lieux qui appartiennent à des mairies. Et il y a eu tout un tas d'aménagements qui ont fait appel à la créativité des AMAP, des organisations de drive, des AMAP qui sont installées dans des jardins. Enfin, c'était assez intéressant. Et très, très vite, les AMAPiens nous ont envoyé des photos de la façon dont ça se passait, du partage d'expérience. Il y a eu une mise en réseau très intense et qui nous a aussi enfin, beaucoup conforté sur le fait que le modèle continue à fonctionner. Alors certes, la convivialité, elle est vraiment consubstantielle au modèle AMAP et elle a un peu diminué avec l'application stricte des règles de précaution sanitaire et les questions de distanciation physique, mais le principe des AMAP, qui est un lien entre un paysan dont on visualise le visage parce qu'on le connaît quand il vient livrer les produits, ce lien-là s'est maintenu. Et le modèle a prouvé sa résilience, dont nous, on n'a jamais douté, mais en tout cas qui tout d'un coup a été rendue visible et a été aussi relativement médiatisé parce qu'on a été contacté par beaucoup de journalistes pour illustrer de la résilience du modèle. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de rupture d'approvisionnement a été vécu par les AMAPiens comme quelque chose de très rassurant, le fait qu'il y ait une continuité alimentaire dans un moment où clairement, on l'a bien vu, on en parle depuis ce matin, il y a eu beaucoup, enfin la question de la rupture dans l'approvisionnement s'est posée pour beaucoup de personnes. Les AMAPiens étaient assez frustrés de ne pas pouvoir aller dans les champs parce que se rendre sur la ferme pour donner un coup de main à son paysan ou à sa paysanne, ça fait vraiment partie de l'ADN des AMAP, et notamment dans des périodes où il y a beaucoup de travail comme le printemps. Donc on a été beaucoup sollicités par des AMAPiens qui disaient, on peut vraiment pas faire un effort pour trouver une attestation pour y aller. Donc voilà, là-dessus, ça c'était pas possible. Et ensuite, on a été très sollicités sur les questions de solidarité par beaucoup d'actrices et d'acteurs à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle régionale, pour des dons, notamment de légumes et d'autres denrées, que nous, on distribue. Et en fait, nous, on n'a pas pu répondre à ces demandes, notamment parce que les AMAP, enfin, les paysans et les paysannes, ils produisent majoritairement uniquement pour leurs AMAP. Et le principe, c'est justement de ne pas avoir de surplus et que la production ait un débouché assuré. Donc, nous, à notre échelle, on n'a pas pu faire grand-chose sur ces questions de solidarité. Mais au niveau des AMAP, il y a eu des mécanismes qui se sont mis en place avec les départs de nombreuses personnes d'Île-de-France. Il y a un nombre de paniers non collectés dans les AMAP qui a augmenté. Et puis aussi en parallèle des collectes spécifiques qui ont été organisées, donc des collectes de paniers, mais aussi d'autres produits, de produits secs et de denrées, de produits d'hygiène, etc. Et qui ont été distribués à des collectifs qui préparent des repas, à des associations caritatives, à des personnes qui avaient été spécifiquement identifiées par les AMAP.
Et donc là, vraiment, le constat qu'on a fait, c'est donc les mécanismes de solidarité, ils existent déjà au sein des AMAP et ils font partie des AMAP depuis leur création. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, de façon plus ou moins formelle, des mécanismes de soit des paniers qui sont distribués, soit certains légumes, soit des histoires de cofinancement, etc., sur lesquelles je ne reviens pas et je vous mettrai le lien vers un article qui recense toutes ces initiatives. Mais là, en tout cas, le constat qu'on a fait dans la période actuelle, c'est vraiment que ces mécanismes ont été renforcés, ont été pour certains pérennisés, ont été pour d'autres relancés et ont vraiment illustré que la solidarité faisait partie du modèle AMAP. En parallèle, on a été beaucoup sollicités enfin, les paysans, nous au sein du réseau, mais aussi les AMAP en tant que tels, ont été beaucoup sollicités par des consommateurs et des consommatrices qui voulaient consommer des produits en circuit court. Vous savez tous et toutes que les circuits courts ont connu un boom pendant la période du confinement et nous, on n'y a pas échappé. Un paysan, à titre d'exemple, qui disait qu'il recevait entre 2 et 3 demandes par semaine de personnes qui souhaitaient rejoindre son AMAP, enfin une de ses AMAP pendant le confinement. Et donc tout ça nous a amené à des réflexions à moyen terme et à long terme sur effectivement nous dans nos AMAP, la distribution, les distributions se sont maintenues, mais qu'en est-il du reste de la population? Qu'en est-il des personnes les plus précaires? Donc il y a eu une prise de conscience accrue et une volonté de beaucoup d'AMAP de s'inscrire dans des projets de solidarité et d'accessibilité à l'alimentation à moyen terme. Donc, on a lancé pendant le confinement un cycle d'ateliers qu'on a appelé des ateliers déconfinés qui avaient lieu tous les samedis matins, donc qui étaient sur tout un tas de questions en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Et notamment, on a fait plusieurs ateliers de partage d'expérience sur la question de l'accessibilité. Donc, on a fait témoigner des AMAP dans lesquels il y a des initiatives qui existent depuis plusieurs années. Et on a en parallèle lancé des groupes groupes de travail, un groupe de travail à l'échelle du territoire de Est Ensemble, donc la communauté d'agglomération dans laquelle est notamment le territoire de Montreuil et où sont nos locaux. Et puis ensuite, un groupe de travail régional et puis ensuite un groupe de travail interrégional dans lequel est d'ailleurs présent Marc et qui là réfléchit sur la question de la solidarité et de l'accessibilité dans les AMAP au niveau dans toutes les régions de France dans lesquelles elles sont présentes. Et en parallèle de ça, on a lancé un cycle de formation à destination des AMAPiens, AMAPiennes et des paysans, paysannes du réseau sur les questions d'accessibilité et donc qui permet de nous créer une culture commune sur ces questions d'accessibilité en accent vraiment sur les questions de recherche, sur des questions aussi de partage d'expérience au sein des AMAP. Et on se rend bien compte qu'il y a un intérêt accru. Donc c'est un cycle qui a lieu tous les mois et on a à peu près on a beaucoup de gens, donc on a eu entre 50 et 80 participants aux deux premiers ateliers, et on se rend bien compte que les AMAPiens, particulièrement, se mobilisent sur ces questions d'accessibilité et qu'on lance vraiment un travail de fond. Les suites concernant ces travaux et ces réflexions, c'est en tout cas pour nous en Île-de-France, la réplication, pourquoi pas en tout cas, d'initiatives innovantes qui existent dans d'autres régions. On a une initiative dans la région Hauts-de-France, qui est un dispositif qui s'appelle Panier, donc de financement de paniers solidaires via des CCAS avec un fonds de dotation. Et on a un autre dispositif particulièrement inspirant pour nous qui s'appelle les paniers marseillais et qui a été lancé par le Secours populaire de Marseille en lien avec les paniers marseillais, qui donc est un groupement d'AMAP. Et qui donc ont accompagné la création d'une AMAP depuis 2018, qui accompagne des familles bénéficiaires du don alimentaire du Secours populaire. Et donc, il y a 35 familles qui bénéficient de paniers qui leur coûtent 3 euros par mois au lieu des 18 du prix du panier. Et donc, là, l'idée, c'est de permettre donc à ces familles d'avoir accès régulièrement à ces légumes. Et grâce à des financements privés qui sont recueillis auprès de fondations et aussi auprès des autres membres des paniers marseillais. Donc, ils ont une campagne qui s'appelle Adopte un panier, qui leur permet de financer ce dispositif. Et en parallèle, il y a tout un cycle d'accompagnement dans lequel il y a des ateliers cuisine, des visites de ferme, des repas partagés, etc. Et donc, qui vont être amenés donc à développer dans les années qui viennent, avec notamment l'idée d'inclure des familles orientées par le Secours populaire dans des groupes de paniers marseillais déjà existants. Donc nous, on n'en est pas encore là en Île-de-France, mais clairement, toutes ces initiatives de paniers solidaires dans d'autres régions, elles nous inspirent et
et elles permettent de nourrir les réflexions en cours dans les ARAP. Et enfin, Merci en Marie. parallèle, je peux terminer Excusez-moi, par une petite d'ailleurs, question? Vous avez dépassé oui, le temps? juste, Bonjour. voilà, parce qu'en fait, là, on est un petit peu dépassé par le timing. De toute façon, on reviendra dans les compléments dans la discussion. Je te remercie, Noémie. Très bien. Ali, donc, est-ce que tu peux prendre la suite sur Vrac? Bon, en quoi, effectivement, la crise sanitaire a impacté votre activité et qu'est-ce que vous avez réalisé à la fois dans le premier et le deuxième confinement? Oui, alors si je comprends bien, je suis la dernière intervenante. Le temps est compté. Je vais essayer d'être concise, donc forcément incomplète. Alors, juste pour bien comprendre les réaménagements que la crise nous ont demandé, faut aussi que je vous dise deux mots du moment du développement de l'association. Alors déjà, il faut savoir qu'à Vrac Paris, nous sommes deux salariés. Pour tout Paris. Et le but, c'est effectivement mener le projet avec les acteurs des territoires et de construire les groupements d'achat et les épiceries éphémères mensuelles avec les bénévoles. Mais nous, on était au début de notre temps de construction. C'est-à-dire que quand le premier confinement est arrivé, nous avions déjà trois groupements qui avaient été mis en place, mais qui étaient jeunes, qui dataient du deuxième semestre 2019. Et nous venions juste de lancer deux groupements dans le 14e et dans le 18e, le mois qui a précédé la venue du confinement. Donc, on était vraiment au début, si j'ose dire, du travail de co-construction avec les acteurs locaux et avec les habitants, dans un travail d'amorce de pédagogie. Donc, on n'avait pas du tout encore l'assise de bénévoles structurés qui auraient pu permettre peut-être de continuer tout de suite. Donc, nous, contrairement aux AMAP, dès le début du confinement, on s'est demandé comment on allait pouvoir continuer. Donc, on s'est mis en relation très vite au sein du réseau Vrac et on s'est rendu compte qu'on n'était absolument pas à même de mener nos épiceries. Donc l'épicerie, c'est juste la résultante de tout le travail du groupement d'achat, hein, de façon sécure pour les personnes. Pour vous représenter un petit peu les choses, vu que nous promouvons la coopération, les échanges de savoir et la convivialité, nous, on investissait un lieu une demi-journée par mois avec des gros sacs de 25 kilos de denrées et c'était très joyeux, chacun se servait et vas-y que je te passe la pelle et vas-y que je te tape dans le dos. Donc c'était très très bien, mais clairement c'était tout ce qu'il fallait pour constituer des clusters. Donc on s'est dit on a du pain sur la planche pour réviser de notre mode de faire et on a été dans un temps où chacun s'est demandé mais comment garder le lien avec les personnes. Alors très vite, on s'est dit, on va téléphoner à tous nos adhérents pour prendre de leurs nouvelles. On va faire des newsletters personnalisés pour chaque quartier en donnant les bons plans et en relayant les activités solidaires. Et on a mis en place un recueil de recettes participatives de nos adhérents qu'on faisait passer en ligne. Mais ça ne nous satisfaisait pas et en fait, c'est vraiment les actions terrain de nos collègues des quartiers qui nous ont inspirés. On a participé à une opération en tant que bénévole sur le quartier de Danube Solidarité dans lequel on intervient traditionnellement, on a un groupement d'achat. Parce que les collègues avaient eu nez creux et ils se sont dit très vite, les familles vont être dans la galère, notamment celles qui ont les enfants à la cantine. Les mamans, elles font des ménages pas forcément déclarés, elles n'ont plus de boulot, ça va être dur. Effectivement, sur le terrain, on a vu venir des gens du quartier qu'on n'avait jamais rencontrés dans un état de panique et de fatigue impressionnant. Et par le même temps, on a fait le constat que, en allant très vite, malheureusement, la qualité des denrées n'était pas du tout au rendez-vous. Et du coup, on s'est dit, mais quitte à retravailler la façon dont on va reprendre les épiceries traditionnelles et la vivacité des groupements d'achat, pourquoi ne pas faire le pari que même en situation de crise, on est capable de faire ce pari du solidaire et durable? Donc, on a construit un projet de panier solidaire Vrac. Et comme on voulait que ce soit gratuit pour les personnes, forcément, on a brigué un financement à la ville de Paris qu'on a eu. Et je tiens à les remercier encore une fois, puisque ça nous a permis de mener une action sur la quasi-intégralité des quartiers dans lesquels on intervient et complètement en interdépendance avec les acteurs de terrain.
Pour être très concret, on a pris notre téléphone, on a appelé les collègues avec qui on travaillait traditionnellement en disant, mais est-ce que les personnes que tu touches, les familles que tu touches, sont en situation de difficulté alimentaire? Certains nous ont dit, oh, je ne sais pas, je ne crois pas, et d'autres ont dit, ben, on va les appeler. Et là, ça a été une marée. C'est-à-dire qu'on a eu tout de suite 50, 60 personnes sur un centre social avec des gens qui disaient, ben oui, mais justement, on ne savait pas comment faire, à qui le dire. Donc concrètement, on s'est mis ensemble à faire des paniers solidaires, mais avec des briques et de brocs, si ce n'est avec nos produits, puisque comme nous sommes en circuit court, on a vu qu'effectivement, on n'a pas eu de problème, nous, d'approvisionnement. Justement, les gens étaient très contents qu'on les appelle pour travailler. Et on a pu faire des paniers avec typiquement tous les produits qui manquaient dans les magasins, de la farine, du riz, des pâtes, des sauces tomates, tout de très très haute qualité. Et en faisant un système de rendez-vous horaire pour que les personnes ne se croisent pas, qu'il n'y ait pas l'effet file d'attente et qu'on puisse à chaque fois échanger de mots. On voulait vraiment faire quelque chose qui préserve un maximum la dignité des personnes. Alors, je précise que nous, c'était vraiment un accès très conjoncturel, puisque ce n'est pas notre cœur de métier, qu'on est une toute petite association en termes RH et aussi en termes de possibilités. Mais ça nous a permis, en tout cas, de retravailler les liens de proximité avec les collègues avec qui nous travaillons en temps classique, de voir qu'on était capable ensemble de faire preuve de créativité et de toucher des personnes que nous n'aurions jamais vues si ce n'est. Alors ça, c'était vraiment le premier confinement et il y avait cet effet. Alors quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est le compagnon des restos du cœur, de sidération. Moi, j'ai vraiment le souvenir de voir arriver les gens épuisés, des ambiances un peu Far West dans la rue. Et puis on se posait des questions concrètes. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on a dû bricoler, on a dû revoir les protocoles sanitaires. En tout cas, ça a été hyper apprenant. Et à la suite de ça, on s'est dit, dès qu'on peut, on reprend les groupements d'achat. Donc, on a maintenu le travail téléphonique avec les adhérents. Et dès la fin du confinement, on a repris les épiceries éphémères et avec le système de précommande des groupements d'achat. Et les personnes ont été rendez-vous. Et tous les groupements ont repris. Bon an, mal an, mais ils ont repris. On a acquis la conviction à ce moment-là que s'il y avait un deuxième confinement, on n'arrêterait pas. Comme quoi, cette fois-ci, c'est nous qui avons eu le nez creux. Et il se trouve qu'on a vraiment travaillé avec tout le réseau pour permettre un nouveau protocole d'épicerie solidaire. Alors effectivement, notre enjeu, c'est de maintenir la convivialité, mais on a, par exemple, on a travaillé avec des ingénieurs sécurité en pro bono. On a vu que les risques de transmission, c'était dans le passage des pelles à vrac, par exemple. Donc on a fait des pôles de vrac. Ça nous a demandé 4 fois plus de bénévoles. Donc il y a eu toute cette question aussi d'exhortation des personnes à donner, des plus jeunes en soutien aux plus anciens. Mais on a pu, en tout cas, maintenant, on le fait encore, montrer des épiceries avec un nombre croissant de personnes participantes et une haute exigence en termes de sécurité. Alors, notre gros souci maintenant, mais c'est un souci qui est partagé par tous les acteurs de terrain qui relèvent de l'éducation populaire, c'est que tout notre travail d'approche des publics les plus fragiles, donc je pense aux personnes à très faible revenu, je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes non équipées au niveau numérique, eh bien, c'est des personnes qu'on accrochait typiquement en faisant des dégustations en pied d'immeuble, en participant à toutes les fêtes de quartier avec nos collègues des territoires, en faisant des ateliers do it yourself, des ateliers de cuisine, bien sûr. Mais ça a été suspendu. Donc vraiment notre enjeu, ça a été aussi de travailler avec nos adhérents, de dire voilà, à côté de chez vous, vous connaissez aussi des personnes qui sont en difficulté. Ça va être vous les meilleurs transmetteurs du projet. Et ça, ce travail de bouche à oreille marche vraiment bien. Et effectivement, nous, les adhérents sont les meilleurs ambassadeurs du projet VRAC. Néanmoins, on se languit vraiment de reprendre les activités de terrain qui sont pour nous le cœur de notre action pour toucher voilà, le public qui est le plus loin de forcément de cette accessibilité-là. Donc, deuxième confinement,
On a maintenu toutes les épiceries. Là, on se sent vraiment fort de toutes ces expériences et aussi de tout le travail d'acculturation qui a été fait par les adhérents. Donc, c'est vraiment un travail collectif qui est pensé. Et on a maintenu des opérations de panier solidaire, mais vraiment en les faisant dans un tout autre état d'esprit que lors du premier confinement. C'est-à-dire que là, vraiment, on s'en est servi comme point d'appui pour faire un pont avec nos groupements d'achat. On a reconstruit avec les acteurs de terrain ces opérations de panier solidaire et pour chaque personne, on a pris le temps de réexpliquer le projet de A à Z, de montrer des petites infographies et on s'est engagé, donc c'est d'ailleurs cette semaine et la semaine prochaine, à rappeler toutes les personnes pour leur faire leur prise de commande accompagnée pour la venue dans les épiceries avec cette idée de voilà, ça c'était un coup de pouce parce qu'on sait que les temps sont durs, mais à côté de chez vous, c'est peut-être pas parfait, ça peut être certainement que complémentaire, mais il y a un endroit où on peut avoir des bons produits à pas cher et vivre un moment sympathique. Je voudrais juste terminer en disant qu'on a été quand même le réceptacle de phrases absolument terribles pendant ce deuxième confinement. Et je pense notamment alors les étudiants qui ont été cités, mais les personnes âgées, les personnes vivant seules, en disant, mais moi, c'est pas le Covid qui va me tuer, c'est la solitude. Moi, là, j'ai trois enfants, je suis toute seule à la maison, j'ai peur de rentrer parce que je ne sais pas comment m'en sortir. Ça fait 2 semaines que j'ai parlé à personne et on s'est vraiment, on en était convaincus, mais là on a revu que effectivement les groupements d'achat travaillent autant sur l'accès à l'alimentation digne et durable, mais c'est surtout des gros instruments de lutte contre l'isolement et de vivre ensemble. Et voilà. Donc je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'était assez bouleversant et je ne peux que m'associer à cette question qui a été longuement évoquée de mutualisation d'action parce qu'effectivement on ne fait absolument rien seul et de mutualisation d'aide logistique parce qu'on a des volumes différents, des tailles différentes et on est forcément complémentaires. Merci pour vos interventions. Je vois qu'il n'y a pas de questions, alors je me permets de vous en poser. Les circuits courts, ça pose effectivement la question du partenariat entre des consommateurs et des agriculteurs. Et donc, ça demande effectivement une rétribution équitable des agriculteurs, notamment. Alors, et donc, ça pose la question à la fois du public qui peut bénéficier de ce type d'action, parce qu'il y a, que ce soit dans les paniers marseillais, que ce soit dans les paniers solidaires qui sont lancés dans l'opération 100 000 paniers solidaires des réseaux Cocagne, que ce soit dans Vrac aussi, il y a un certain coût. Donc, quelle population on peut toucher d'une part, et comment on peut pérenniser ce type de montage, sachant que je sais qu'il y a une aide de l'État, une aide des partenariats, des partenaires publics locaux, mais aussi des financements privés. Voilà, qu'est-ce qui peut répondre sur cette question? Peut-être pour reprendre sur effectivement le modèle des paniers solidaires, on est bien sur une combinaison de plusieurs types de financement. Au niveau national, on est soutenu par la DGCS qui nous permet de cofinancer une partie des paniers pour les jardins. Les jardins vont eux-mêmes ensuite mobiliser des partenaires locaux pour assurer un autre tiers de c'est grosso modo un tiers, hein, une autre partie du cofinancement de ces paniers, donc ce qui permet de travailler tout un réseau partenarial au niveau local, qui va se faire avec des structures, soit des structures d'aide alimentaire, soit des structures sociales qui vont permettre d'orienter les personnes, les jardins n'ayant pas la compétence ni la vocation à eux-mêmes décider et surtout pour limiter tout ce qui est effet de stigmatisation, enfin, voilà, de revenir présenter sa situation, justifier ses revenus, etc. Ça, c'est vraiment déléguer, on va dire, et travailler avec les partenaires sociaux. Et le dernier tiers, ce sera maximum un tiers, c'est donc à la charge de l'adhérent solidaire qui va bénéficier de ces paniers. Donc on est sur un modèle hybride de combinaison entre des financements privés et publics,
souvent sur tout public, mais ça peut aussi, ça peut passer par des collectes de dons, enfin voilà, ou une partie de cofinancement des adhérents classiques, on va dire. Ça dépend du modèle aussi que chaque jardin met en place. Et la pérennité pour moi à tout ça, ce serait un moment de soutenir aussi ce type de modèle-là politiquement et de façon plus large. Nous, on arrive là, par exemple, l'objectif de 100 000 paniers solidaires était un objectif pour 2022. Il devrait être atteint dès l'année prochaine, largement dépassé même parce qu'il y a de la demande et que les jardins ont envie de s'engager dans cette dynamique-là. Va se poser à un moment là, les questions des soutiens qu'on peut avoir, y compris sur l'achat matière lui-même. On n'est toujours pas, enfin, on n'a pas de possibilité, par exemple, d'être sur des financements type FEAD, ce qui est pas, enfin, voilà, ce qui est pas nécessairement la solution qu'on va pouvoir préconiser, mais enfin, voilà, peu importe. Il y a un moment, un modèle un peu plus large, à mon sens, à construire sur une politique alimentaire qui permette cette accessibilité-là, enfin, le choix alimentaire, tout simplement, à tout le monde. Voilà. Bah, je veux D'accord. bien prendre la suite puisque, oui, je veux bien prendre la suite puisque je pense qu'on se rejoint forcément avec Manon Jacquard, que nos associations, nos structures ont un plaidoyer commun avec, j'espère n'oublier personne, le CIVAM, le Secours catholique, l'UGES, puisqu'on va déployer toutes et toutes des modèles innovants, résilients, intéressants pour promouvoir l'accessibilité à l'alimentation digne et durable. Mais il y a une question de fond. Nous, par exemple, à Vrac, on vend à prix coûtant. Ce n'est possible que parce que nous sommes subventionnés. Subventionnés pourquoi? Parce que pour avoir déjà accès à cette vente à prix coûtant, il faut travailler avec les paradigmes de l'éducation populaire sur tous les leviers économiques, bien sûr, par le biais du groupement d'achat, mais aussi les leviers, je ne sais comment les nommer, psychologiques, sociaux, les atavismes qui font qu'à un moment donné, on ne s'autorise pas forcément aussi à aller avec ce type de consommation. Mais in fine, la question, ce n'est pas de savoir si 1 € le kilo de farine locale est trop cher encore pour des personnes. La question, c'est de savoir comment ça se fait que des personnes encore dans notre pays ne peuvent pas s'acheter un kilo de farine à 1 €. Donc, bien sûr, il y a des questions beaucoup plus profondes et transverses. Je citerai par exemple la question de la sécurité sociale alimentaire, une question de résilience territoriale, main dans la main avec les producteurs et les acteurs. Et donc, à travers nos actions, elles ne peuvent être que de façon partielle, mais en tout cas incarnée, de cette volonté plus généraliste d'une réforme en profondeur. Qui illustre parfaitement que solidarité et durabilité ne peuvent aller qu'ensemble, enfin, et on en est persuadé. Merci, merci Aline. Est-ce que Noémie, tu peux rajouter quelque chose sur cette question? Très rapidement, peut-être, nous, au sein des AMAP et du réseau des AMAP, sur cette question des financements, il y a effectivement pour nous depuis le début la question de la solidarité au sein des AMAP, la solidarité économique au-delà de la solidarité avec le paysan et qui du coup existe déjà et sera probablement amenée à se développer avec des systèmes plus ou moins innovants de cotisation à la semaine, au mois, avec des calculs de prix du panier selon le quotient familial par exemple. Enfin, il y a tout un tas de choses qui existent déjà et qui continuent de s'expérimenter. Et en parallèle, nous, c'est assez nouveau et on a une AMAP qui vient de demander une subvention auprès d'une mairie pour faire financer des paniers. Donc l'idée, ce serait de faire financer la moitié de paniers d'AMAP dans lequel il y aurait des légumes, du pain et des œufs. Donc c'est des paniers qui ont une valeur de 19 euros par semaine. Et l'idée, ce serait de pouvoir financer 10 paniers par semaine pendant 6 mois, donc c'est l'équivalent hein, de la durée d'un contrat AMAP. Et donc ils attendent la réponse de cette mairie. Et donc si ça fonctionne, pour nous, ce serait aussi un modèle qu'on aurait vocation à essayer de diffuser parce qu'il nous paraît assez vertueux d'impliquer les collectivités locales avec lesquelles souvent les AMAP sont très, très en contact. Voilà, et puis en fait, pour terminer, on a été contacté, nous, pendant le premier confinement, avec le MIRAMAP, hein, le mouvement interrégional des AMAP, par la CNAF.
Et donc, il y a eu des initiatives expérimentales qui ont été menées sur certains territoires un peu partout en France avec des caisses locales de CAF. Et donc, on a aussi vocation à pérenniser ces dispositifs et à expérimenter avec les CAF sur des paniers solidaires. Merci Noémie. Bon, oui, on voit bien qu'effectivement, cette question en fait de financement des circuits courts et des achats groupés est un enjeu qui est aussi un enjeu national. C'est à comment assurer un revenu décent aux personnes qui sont en situation de précarité. Donc, il y a effectivement ce travail qui a été réalisé sur la sécurité sociale de l'alimentation et porté notamment par Ingénieurs sans frontières, mais aussi des expériences sur la question du revenu universel. C'est des questions qu'il ne faut pas oublier. Je crois que bon, on arrive au terme de cette session parce que. Alors, c'est très difficile de conclure cette matinée. J'ai pris au moins 12 pages de notes. Moi, je dirais qu'il y a, enfin, pour aller très vite, je pense qu'il y a plusieurs points qui ont été montrés de manière très importante sur les liens finalement entre la crise et les enseignements qu'on peut en tirer en termes d'agriculture et d'alimentation. Je ne vais pas forcément leur donner un ordre de priorité. Je dirais que quand même, on a vu tout l'intérêt qu'il y avait à revaloriser l'autoproduction, à la revaloriser alors dans les jardins de type varié. On a vu, je crois que c'est Laurence Baudelet qui avait dit ça au départ, que c'était maintenant considéré et à considérer comme des équipements essentiels dans les villes, quelle que soit leur taille, à la fois pour leur rôle dans la production alimentaire directe, mais aussi dans tous les autres bénéfices. Je pense que Laurence Perrin ne me contredira pas, les bénéfices santé. Qui sont considérables, notamment en termes de lien social, de santé psychologique, etc. Donc, on a vu en particulier tout ce que la crise avait révélé de l'attente considérable des urbains, et notamment dans les quartiers populaires, vis-à-vis de ces formes d'autoproduction, de ces jardins. Et je voudrais vraiment saluer le fait qu'aujourd'hui, au ministère de l'Agriculture, on en prend conscience, que les règles dans le deuxième confinement n'ont, Dieu merci, pas été les mêmes que dans le premier. Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup travaillé pour ça et je voudrais vraiment les en remercier. C'est vraiment une prise de conscience de la nécessité d'aller plus fort et de manière plus pérenne sur cet accès à l'autoproduction. Mais si on veut que ça soit vraiment pérenne, il faut de l'accès au foncier, y compris dans les villes. Il faut des formateurs, il faut de l'accompagnement longue durée. On ne peut pas faire ça, notamment dans les quartiers populaires, sans un véritable effort d'animation. Deuxième élément, je dirais, on a vu, notamment lors de la deuxième table ronde, l'immense solidarité et les nouveautés, y compris entre associations, hein, qui sont nées. On a vu aussi ben, l'ampleur de la bavure, hein, c'est-à-dire tous ces jeunes, tous ces. Moi, j'ai été frappée en particulier par une enquête que j'avais lue, montrant que les jeunes qui font Uber Eats, donc qui passent leur journée à apporter de la bouffe à des gens, sont eux-mêmes pas en mesure de s'approvisionner sur le plan alimentaire et donc vont fréquenter les restos du cœur. C'est vraiment quelque chose qui me semble tout à fait, enfin, vraiment terrible et dont il faut vraiment prendre conscience totalement. Je crois que dans le témoignage de la table, enfin, de l'axe 2, on a aussi vu plusieurs choses très importantes. La première chose, je dirais, la question de la dignité. Ces personnes qui ont honte. Mais elle doit être où la honte chez ces personnes, dans toute notre société en général, qui les amène à ça, notamment on va dire les nouveaux arrivants, les nouveaux entrants pour les Restos du Cœur ou pour la Chorba, par exemple. Je pense qu'on a vu aussi, à travers le témoignage que nous a apporté Huguette, finalement cette sensation de dignité. Moi, j'ai été frappée en suivant Terre de Lorraine par le fait que pour la première fois, grâce aux récoltes faites dans le jardin nourricier de Terre de Lorraine, les personnes ont pu aller elles-mêmes, des personnes en précarité, porter des aliments au secours populaire lors des distributions alimentaires. Ça, c'est incroyable comme ça peut finalement changer le regard que les personnes elles-mêmes portent sur elles et le regard que les autres peuvent porter sur eux. Bon, on parle beaucoup d'éducation à l'alimentation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle de l'éducation de la société à ce qu'est la pauvreté. Et au fait qu'il n'y a aucune raison que les pauvres aient honte, c'est les autres qui doivent avoir honte. Bon, ça, c'était ma petite seconde militante. Bon. Je pense qu'ensuite, il y a des éléments très importants qui ont été montrés, notamment aussi là, dans la table ronde numéro 2, et reprise un peu dans la 3, sur la question de la logistique. Ce n'est pas parce qu'on est proche
qu'il n'y a pas des questions logistiques considérables qui se posent. Fanny le sait très bien, puisqu'elle-même a un petit travail de recherche aujourd'hui sur la question de la logistique en milieu intra-urbain. On a vraiment à penser tous ensemble à comment organiser ça. Et je ne sais plus si c'est Louis ou Ousmane qui l'a dit, il y a des métiers à favoriser autour de ça. Et puis, je trouve très intéressant, à l'issue des trois tables rondes, notamment donc de la troisième, toute cette prise en compte, alors qui est parfois ancienne hein, pour les jardins de Cocagne, qui est plus récente pour les AMAP, et je m'en réjouis vraiment beaucoup, et que VRAC met en route directement, sur finalement ben, ces circuits courts. Pendant une partie du temps, enfin, jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas beaucoup d'interrogations sur l'accessibilité dans ces circuits courts, l'accessibilité à tous. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus. Alors, pour les paniers solidaires de Jardin de Cocagne, ce n'est pas tout nouveau, ça date d'une dizaine d'années, comme l'a dit Manon. Pour les AMAP, c'est plus nouveau, mais c'est très actif et vraiment, on peut s'en réjouir. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important par rapport à l'accès des populations précaires à cette alimentation de qualité, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr l'autoproduction, c'est la récupération, on va dire, de produits agricoles de l'agriculture, alors périurbaine pour partie, ou voire plus rurale. C'est aussi la création de nouvelles filières, et ça crée de nouvelles filières, notamment en direction des quartiers populaires et notamment en direction des populations vulnérables. Ça demande de nombreux efforts, ça demande notamment de pouvoir ben, faire des installations à proximité, soutenir les producteurs qui se lancent dans des formes de solidarité. Et puis ça veut dire aussi peut-être aller un peu plus loin dans ce que Hélène nous a montré, qui moi me semble très très prometteur, qui sont des formes de cuisine collective, qui sont des formes finalement de comment on peut enfin, faire soi-même à manger avec des équipements ad hoc et des personnes formées, hein, en tant qu'encadrant ad hoc, pour pouvoir finalement, au-delà des ateliers cuisine qui ont un rôle éducatif absolument fondamental, mais pour pouvoir vraiment faire soi-même la cuisine avec d'autres et de manière régulière, que ce soit pour le collectif ou pour sa propre famille. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment très important. Je terminerai rapidement pour dire que ça a été signalé aussi. On a un besoin considérable de re-réfléchir une politique agricole et alimentaire dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui le savent, Dieu merci. Ça passe par de nombreuses réflexions sur, encore une fois, de nouveaux liens entre les agricultures intra- et périurbaines et rurales avec les urbains et notamment avec les plus pauvres d'entre eux. Ça passe aussi par la prise en compte des ressources humaines qui sont nécessaires pour faire cet accompagnement. On a parlé des formateurs dans les jardins ou dans les cuisines collectives. Il y a énormément de besoins à ce propos-là. Et puis, bah, peut-être que je finirai en disant, finalement, les entreprises d'insertion, comme Jardin Cocagne, comme d'autres, elles sont, et d'ailleurs, je crois que vous l'avez dit très directement, Manon, et pour partie, je crois aussi, Aline, on est en face d'un modèle économique, y compris celui de l'insertion, qui est peut-être en train devoir se réinterroger aujourd'hui. Il faut arriver à trouver des moyens de pouvoir pérenniser ces actions qui sont de plus en plus importantes d'accompagnement. Il faut sortir peut-être d'une logique de on va essayer de développer encore plus des paniers solidaires, c'est très bien, il faut le faire. Hein. Il faut peut-être aller au-delà. Et donc, il faut pouvoir arriver à trouver des pérennisations de ces soutiens, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Et voilà, et je pense que c'est vraiment très important. Je dirais, et après j'en terminerai, on est aujourd'hui en train de renégocier une politique agricole hein, européenne, commune. Voilà, il y a peut-être là aussi des leviers pour faire en sorte que cette alimentation qui est produite pour beaucoup en France, on a cette chance-là, qui est produite dans nos villes et surtout à côté de nos villes et dans le monde rural, puisse être plus à destination des personnes en précarité. C'est une question de santé publique et je passe donc la parole à Laurence. Merci. Oui, alors la question de santé publique, il faut évidemment envisager la santé de façon très globale et on l'a bien vu ce matin avec tous les partages entre les niveaux de précarité qui augmentent. Ça, on le savait avant la crise. La crise n'a fait que renforcer ça, mais avec des augmentations de public en situation de précarité énorme. Nos modèles actuels sont peut-être, voire certainement dépassés.
Il faut les re-questionner, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et vos actions sur le terrain sont plus que précieuses parce que vous devancez souvent ce que peuvent faire les structures étatiques. Néanmoins, c'est vraiment très important que vous puissiez vous appuyer sur les outils d'animation territoriale qui existent. Alors le territoire, en parlant d'agriculture urbaine, évidemment que c'est le maître mot, mais il existe, on ne peut que s'appuyer sur les villes, les communautés d'agglos, qui ont toutes des contrats de ville. Certaines, notamment les plus en précarité, ont signé des contrats locaux de santé avec l'ARS, ont signé des projets alimentaires territoriaux avec les DRAF, DRIAF, des plans climat, air, énergie, territoire. Et toutes les actions que vous menez peuvent s'inscrire et être valorisées à travers ces plans. Et finalement, c'est aussi intéressant pour le territoire de montrer qu'il vous soutient, tout comme vous, ça peut être aussi un levier. Et un levier d'autant plus important parce que, comme quand je parlais de santé globale, on n'est évidemment pas sur une approche cloisonnée à l'éducation nutritionnelle, manger, bouger, il faut manger équilibré, c'est merveilleux. C'est largement pas suffisant. Vous avez tous développé votre activité autour du jardin ou de l'aide alimentaire ou autre avec des projets d'insertion. On est sur l'accès au droit, l'accès au logement, l'accès au travail. Et ces projets-là ne peuvent pas être juste limités à du jardin, à de l'éducation nutritionnelle, à de l'atelier cuisine. C'est vraiment un grand tout. Et c'est en ça qu'on a besoin de coordination. Ce n'est pas un vilain mot, la coordination, et on n'est pas forcément le salarié de l'État quand on coordonne. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme on le fait pour décloisonner et que ce soit une amélioration du parcours de la personne et pas de tous nos enjeux structurels, étatiques, etc. Et c'est en ça que je pense que c'est le plus important. Je voulais citer aussi sur les territoires, il y a les groupes de travail 5 du plan grande pauvreté. Ce sont le groupe de travail 5, c'est un groupe de travail sur l'accès à l'alimentation pour tous, dont le vice-président est Alain Gézéquel et la présidente Anaïg Morvan, c'est un pilotage préfecture de région. Ça réunit beaucoup d'institutionnels, mais aussi beaucoup d'acteurs de terrain dont je suis sûre que vous participez pour la majorité d'entre vous. Et ce partage d'expérience est vraiment essentiel. Et plus on arrivera à le structurer, plus ce sera bénéficiable. On ne peut pas juste s'arrêter sur des volets d'aide alimentaire, on est bien sur de la précarité, quelque chose de beaucoup plus large. Et il y a aussi des modèles économiques à trouver. Là, actuellement, la perfusion par l'argent public, on sait bien que ça ne peut pas être pérenne sur le long terme. Là, le plan de relance, notre plus grande inquiétude, c'est que des projets qui ne sont pas assez ancrés sur le territoire bénéficient de financement et que, du coup, on n'assure pas la pérennité de ces projets-là pour les publics du territoire. Donc, l'intérêt est vraiment ça quand on a un FEAD français qui finance principalement de l'alimentation pure. Et pas d'accompagnement, de projets, de formation. On a bien vu, comme disait Nicole Darmon, que l'important, c'était d'avoir aussi des accompagnements, de la formation ad hoc, que ce soit sur les travailleurs sociaux, agricoles, qui puissent transmettre et accompagner les publics. Et c'est là qu'on a de la production d'effets, alors sur la santé, mais vraiment beaucoup plus globaux. Donc, je pense que c'est vraiment important que si vous avez vent de ce type de projet dans le cadre du plan de relance, d'essayer de les structurer au maximum avec ce type de poste, que ce ne soit pas uniquement du matériel. Voilà. Et puis, je voulais aussi faire un point sur les projets alimentaires territoriaux, donc en lien avec ma collègue Marie-Dominique Arnaud de la DRIAF. Ces projets alimentaires territoriaux ont pour objectif l'accès à une alimentation de qualité pour tous et de satisfaire des besoins alimentaires du territoire à partir des besoins. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en Ile-de-France, on est un petit peu
en rade, il faudra aller chercher un peu plus loin que du pur local. Mais ça peut être une façon d'ancrer vos projets sur un projet plus global territorial. Ces projets-là sont portés par les collectivités territoriales, les communautés d'agglomération, les conseils départementaux et en association évidemment avec des acteurs tels que vous l'êtes, avec des axes. L'objectif principal est de reterritorialiser l'alimentation. Et l'agriculture urbaine est effectivement un moyen de ramener le lien du citoyen, du francilien avec le monde agricole, qui est souvent, avec des villes très urbanisées ou périurbaines, assez appauvries, on va dire. Et puis évidemment, un des plus gros enjeux pour l'Île-de-France, c'est que ces projets alimentaires territoriaux intègrent effectivement l'axe de la justice sociale. Actuellement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. L'accès le ciblage en bénéfice des populations en précarité n'est pas vraiment à la mode, et c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons développer. Et sans oublier évidemment le volet avec la restauration collective qui inclure, et toutes les expériences dont vous avez parlé de cuisine, de repas, etc., ou de cuisine collective, peuvent aussi bénéficier de l'expérience de cette restauration collective. Eh bien, je vais m'arrêter là. En tout cas, un grand merci à AgroParisTech pour l'organisation de cette journée et à vous tous pour ces partages assez remuants. Ça a été très remuant de vous entendre tous et d'imaginer à quel point on va pouvoir se mobiliser pour aller vers quelque chose de vertueux. En tout cas, un grand merci à vous tous. Merci Christine, merci Laurence. Juste peut-être deux petites choses dans l'onglet questions. Donc, il y a Viviane Tirlicien d'ATD Carmonde qui souhaitait te remercier, Christine. Merci de la part de toutes les personnes précaires au sujet de la honte qu'elles ont. Donc, voilà un petit témoignage de Viviane. Et une question peut-être pour moi, vous deux. Bonjour, quelle est la pertinence de faire une demande de labellisation PAT à l'échelle intracommunale et est-ce possible? Alors, je ne sais pas. Oui, enfin, on peut tout à fait faire un PAT avec une commune. Généralement, ça dépend bien sûr de la taille de la commune. Généralement, on est plutôt à l'échelle d'un ensemble de communes qui vont du coup aller nouer des partenariats avec des zones rurales ou des zones périurbaines. Voilà, alors bien sûr, ça dépend de la taille de la commune. Il y a des communes qui font leur PAT toutes seules, si j'ose dire. Voilà. La labellisation, c'est peut-être une façon, enfin, je pense qu'il y a plusieurs intérêts. Il y a d'abord un intérêt de se faire reconnaître et du coup, de pouvoir ensuite aller chercher d'autres financements, avoir accès aussi aux compétences et aux expériences des autres. Ça, je pense que c'est tout à fait important et tout à fait intéressant. Peut-être que Laurence, tu as aussi d'autres éléments à apporter. Oui, le niveau infra-communal est souvent un peu petit. Je dirais même pour des villes comme Paris, il faut quand même pouvoir arriver à mettre, et d'ailleurs c'est l'objectif de ces outils d'animation territoriale, hein, c'est de mettre autour de la table des acteurs qui ne se parlent pas forcément et ne travaillent pas forcément ensemble. Et c'est tout l'intérêt de ce type de projet. Et puis, ça permet aussi d'avoir une étape de diagnostic qui permet justement de rassembler un petit peu, enfin un peu beaucoup, les différents projets sur le territoire. Et je repense au projet que nous soutenons sur l'éducation nutritionnelle à l'alimentation durable et au goût des jeunes. De mon côté, dans la santé, travailler avec les acteurs de la gestion des ordures ménagères, vous imaginez bien que c'est pas du tout, c'est pas du tout nos partenaires, et pourtant eux ont déjà identifié l'intérêt d'investir dans l'éducation au goût, et l'impact que ça peut avoir sur le tri, le développement durable, la lutte contre le gaspillage. Alors on s'éloigne un petit peu de nos sujets là, mais sans ce type de projet, on ne fait pas connaissance avec des opérateurs et des partenaires qui, finalement, on se retrouve tous avec les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, même si on n'utilise pas le même vocabulaire.
Et c'est souvent ça qui est important. Et donc, je pense que plus on arrive à mettre autour de la table des partenaires, plus ces projets alimentaires territoriaux ont de la valeur. Et c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas se réduire à un infra-territoire, mais regarder aussi les bassins de vie et les façons dont les personnes et toute la logistique, on a beaucoup parlé aussi de moyens de logistique tout à l'heure, comment est-ce que les flux s'organisent de façon à ce que la dimension du projet alimentaire territorial englobe bien tout ce qui se passe sur le territoire. Merci. Je pense que voilà, on est arrivé à la fin de notre matinée qui était plutôt dense et riche de témoignages et d'échanges. Je propose peut-être aux organisatrices et intervenants qui sont ici peut-être d'allumer leur caméra et bah, pour vous remercier en tout cas bah, pour votre participation, pour vos interventions. Et je rappelle du coup aux participants que nous allons leur transmettre du coup la présentation, le déroulé de la matinée. Et puis, comme je l'ai dit en début de matinée, donc la session a été enregistrée. Et donc, voilà, on fera en sorte de vous l'envoyer et de la partager sur les différents sites internet des organisateurs et de diffuser largement dans les réseaux pour que vous puissiez aussi reprendre les échanges qui ont eu lieu ce matin. Et voilà, nous aussi, au niveau de la chaire, on essaiera, voilà, au regard de la situation de 2021, de poursuivre les rencontres du réseau Agriculture urbaine et précarité alimentaire, en espérant, voilà, pouvoir vous rencontrer en vrai et pour échanger. Ben, merci à tous. Absolument, je Merci. dirais juste un tout petit point, on ne lâche rien. L'année prochaine, j'espère bien qu'on fera notre grand colloque avec vous tous en vrai. Voilà. Au revoir. Merci, bonsoir. Bon Au appétit à revoir. tous. Ouais.